Bonjour à tous, c'est Miss Ellie Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo récapitulative de mes derniers achats du mois de décembre. Alors je vous avais déjà présenté en vidéo le Goupix d'Alola. Alors voici les deux autres peluches de la collection. Je les ai eues auprès de Mélodie. Hello, voici tes petits monstres de Noël. Bonne réception, merci. Donc le Pikachu est déguisé en sapin de Noël. Alors sur sa tête, il y a une étoile et une petite cloche. Il y a des petites étoiles sur tout le long de la cape. Derrière, c'est assez simple. Le tag est comme ceci, toujours très bien réalisé. Et enfin, donc le rocabo, qui ressemble énormément au Goupix, avec les deux petites étoiles sur la capuche. Donc la petite cloche devant. Et j'ai remarqué que les poches s'ouvrent. Et donc la cape est exactement comme celle du Goupix. Voilà. Le tag. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle des trois vous préférez. Et donc enfin, j'ai deux autres objets à vous montrer. Donc c'est une petite réception. Hein. J'ai commandé deux tasses qui sont récemment sorties. Donc je crois que c'est la collection. Ils avaient déjà sorti une collection de ce genre-là. Donc c'est la collection avec les queues. Donc il y a Mentali, Noctali. Il y avait Mimiki aussi en tasse. Mais je ne l'ai pas prise celle-là. Voici comment elle se présente. La prise en main est très agréable. La tasse est super belle. Derrière, c'est comme ça. Vous voyez sur le packaging. Donc là, pareil. Voici le dessus. Donc je vais vous montrer la Noctali. Ils ont sorti également des coques de smartphone de cette collection. Et je ne sais plus quoi encore. Donc pareil, très très bien. Je préfère la Mentali, moi perso. Voilà. J'en monte vite fait les. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Donc voici, cette présentation est déjà terminée. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Salut!